coucou tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais essayer de faire une revue. On me l'a demandé. Il y a eu beaucoup de nouveaux et nouvelles abonnés donc sur ma chaîne. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur les pinceaux Real Technique. Donc c'est vrai que j'avais peu fait de revue puisque moi j'ai découvert les pinceaux grâce à Miss Blackline et après avec Lutin des Bois. Et en fait on m'a dit bah si pourquoi tu ferais pas aussi toi ta revue. Donc bah depuis le temps je me suis dit allez on y va. Donc avant de commencer à vous présenter ces pinceaux, on va commencer par le début. Donc c'est les pinceaux Real Techniques qui ont été créés, donc bien sûr par une entreprise, et avec Samantha Chapman. Donc ils ont été conçus ensemble. Samantha Chapman, c'est une maquilleuse professionnelle, une blogueuse. Elle est connue maintenant dans le monde entier car elle maquille sur les défilés, les plateaux télé, pour les éditoriaux. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment connue. Mais ce qui lui a fait son succès, c'est sa chaîne avec sa sœur, les Pixie Woo, sur YouTube. Elles font énormément de tutos. Et elle a aussi sa chaîne Real Technique. Alors là, je vous invite franchement déjà à aller, un, découvrir le site realtechnique.com, deux, d'aller découvrir la chaîne Real Technique parce que moi, c'est comme ça que j'apprends beaucoup de choses au niveau du maquillage et de me servir de mes pinceaux. Parce que bah, je suis novice, hein, je ne suis pas une maquilleuse du tout professionnelle. Hein. Comme vous savez toutes, je fais ça pour m'éclater. Mais c'est vrai que j'ai eu un gros coup de foudre pour cette fille parce qu'elle est franchement géniale, même si elle parle en anglais, je comprends pas tout. Bon, c'est clair ce qu'elle fait et on peut tous comprendre et on peut arriver à reproduire. Voilà, donc en fait, elle a travaillé, comme je vous ai dit, dans des défilés de mode, hein, donc des éditoriaux, mais bon, bah voilà, ce qui a fait son plus grand succès, c'est avec la chaîne de YouTube. Alors, donc les pinceaux, ils ont été conçus avec elle, car étant maquilleuse pro depuis plus de 15 ans. Donc elle est maman aussi de deux enfants, hein, pour celles voilà, qui veulent savoir. De toute façon, vous allez le retrouver ça sur le site Real Technique, hein, parce qu'il parle un petit peu d'elle, de sa vie, de savoir qui c'est. C'est là aussi où moi j'ai eu mes infos. Et donc du coup, ils souhaitaient en fait faire des pinceaux, design, high-tech. Et ils se sont dit, ben, on va faire quoi? Et du coup, vu que Samantha, elle est pro dans son domaine, ils ont travaillé ensemble et ils nous ont sorti les fameux Real Techniques. Et ouais. Alors, les fameux Real Techniques, ces petits pinceaux-là, voilà. Donc, c'est des poils qui sont en taclon. Donc, ils sont en peluche extra doux. C'est des poils synthétiques. Ils sont même plus doux que les cheveux. 100% cruauté, donc c'est-à-dire que bien sûr c'est pas au niveau des animaux. Hein. La particularité de ces pinceaux, alors là j'aimerais être petite souris quand même pour voir, ils sont faits à la main. Voilà, ils sont faits à la main. Ils ont un système couleur, donc ça on va le voir tout à l'heure. Hein. Vous avez les roses, vous avez les violets, vous avez couleur comme ça jaune, donc ça on va voir ça tout à l'heure. Donc, ce qui permet donc de se retrouver par rapport à notre étape d'application de notre maquillage. On a les jaunes pour la base, on a les violets pour les yeux, et ensuite la finition, tout ce qui est blush, contouring ou autre, on a ceux-là aussi, donc qui sont roses. Donc, comme je vous ai dit, donc voilà, ils sont taillés à la main. Alors, la particularité aussi de ces pinceaux-là, c'est qu'ils tiennent debout. Là, c'est plat, donc on peut, là, vous n'allez pas voir. Mais on peut les faire peut-être sur mon ordinateur. Voilà, il tombe pas. Voilà, vous voyez, j'ai les mains. Ils tiennent debout. Donc on peut les laisser debout. Alors, dans ces pinceaux-là, on a trois kits. Donc on va commencer avec le premier kit. Donc quand vous allez recevoir votre kit que vous allez choisir, vous allez l'avoir dans une boîte comme ceci. Voilà. Où vous retrouvez à l'intérieur une pochette noire, il se trouve les pinceaux dedans, donc on va détailler ça. Donc déjà, dans un premier temps, vous allez recevoir ça en plastique. Et derrière, on a notre amie Samantha Chapman. On a les pinceaux qu'on retrouve dans cette fameuse pochette noire et à quoi ils servent. Bon, bien sûr, c'est pas écrit en français, mais vous allez sur Google en traducteur, vous pouvez vous débrouiller et vous pouvez trouver énormément de revues, je pense, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Donc vous avez le site internet realtechnique.com où là je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment super. Il y a énormément de vidéos Samantha Chapman. Vous allez pouvoir vous aider, savoir comment utiliser vos pinceaux. D'ailleurs pour ça, je vous mettrai aussi
quelque part par là, je ne sais pas où. Vite fait, j'ai fait une vidéo de comment moi j'utilise mes pinceaux. Je vous ai fait un petit tuto teint avec make-up juste derrière. Donc je vous mettrai ça. Peut-être que ça vous aidera aussi. Voilà. Alors on passe à cette petite pochette. Donc là j'ai enlevé hein, les pinceaux pour vous montrer à nu comment elle est. Donc on a le logo ici, Real Technique. Ensuite on a des élastiques où on trouve les pinceaux. Donc elle est fermée comme ceci à la base. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'emmener en voyage. On peut l'emmener partout. C'est génial. À cet endroit-là, on a un lien justement qui nous permet une petite boule noire. Vous voyez aussi de tout bien fermer. Voilà. Et la particularité aussi, c'est dans ce sens-là, les pinceaux tiennent aussi comme ceci. Debout en fait, vous pouvez les installer sur votre coiffeuse et on a les pinceaux. Je vais vous montrer un avec les pinceaux, comme ça on visualise mieux. Voyez, donc c'est comme ça. Voilà, et là à ce moment-là, vous fermez là, vous tirez le galon. Hop, je vais vous faire. On tire le galon derrière avec la petite boule et on a nos pinceaux qui sont debout sur notre coiffeuse. Voilà, donc ils ont vraiment pensé à beaucoup de choses. Hein. Donc, le premier kit que je vais vous parler, c'est le Core Collection. Donc, c'est le fameux kit au niveau du teint. Dedans, on a 1, 2, 3, 4 pinceaux. Voilà, on a 4 pinceaux. Je vais vous le montrer. Donc, voilà les 4 pinceaux. Alors, ils ont la particularité où tous les noms se trouvent écrits sur le manche. Donc là, je suis désolée parce que ça brille énormément, donc on ne voit pas. Vous voyez, là, c'est le contour brush. Ils sont tous marqués. Donc c'est ça qui est bien. Donc cette couleur-là, c'est pour le teint. Hein, c'est une sorte de orangé cuivré. Donc c'est le premier kit. Donc dans un premier temps, je vais vous dire donc, je vais les enlever. Et moi, comment je m'en sers? Vite fait, hein, parce que bon, sinon la revue va durer très longtemps. Alors, on a le fameux pinceau, le Buffing Brush. Moi, celui-ci, c'est un de mes chouchous. Vous verrez dans la vidéo, c'est celui-là que je me sers pour mon fond de teint. Avant, j'avais l'habitude de l'appliquer avec le doigt. Et c'est Samantha qui m'a donné vraiment envie d'acheter ce pinceau-là. Parce qu'il y a celui-ci que j'ai pris. Excusez-moi, je vais bouger. C'est le Foundation Brush. Hein. Foundation, c'est le teint. Voilà. Qui est biseauté. Il part comme ça, la tranche est très fine. Mais franchement, j'aimais pas du tout l'application pour le fond de teint. Moi, je m'en sers celui-ci pour poser le highlighter ici. Mais au niveau du fond de teint, j'aime pas du tout. Donc du coup, elle m'a vraiment donné envie d'acheter ce kit-là. Il me le manquait. Donc je voulais celui-ci dans le kit et ce petit pinceau-là qui s'appelle le Pointed Foundation Brush. Elle s'en sert aussi dans ses vidéos pour appliquer le fond de teint. Mais bon, c'est quand même, vous voyez, assez fin pour faire toute la face. Alors celui-ci, on peut l'appliquer. Moi, le fond de teint, je l'applique en tournant. Je tapote et j'applique après en tournant. Vraiment génial. Celui-ci, il aurait plus tendance, comme lui, à ce qu'on applique notre fond de teint dans ce sens-là en l'étirant. Voilà. Donc lui, en fait, je ne m'en sers pas pour appliquer le fond de teint. J'ai vraiment trouvé son utilisation et là, je ne changerai pas. Je m'en sers pour appliquer l'anti-cerne. Franchement, j'applique mon anti-cerne là. Ça remonte, vous voyez, vraiment bien. Ça prend tout l'œil et je lisse pas. Je lisse pas. Je tapote et ça fait vraiment bien au niveau de mon make-up, de mon œil quand on a des raccords à faire. Voilà. Donc déjà, ces deux pinceaux-là dans le kit. Ensuite, on en avait un troisième. Je me suis demandé qu'est-ce que je vais en faire. Elle s'en sert. Tout ce qui est les petites corrections à faire de petits boutons. J'ai pas du tout une peau imperfection. Donc je me suis dit, je vais plutôt plus l'utiliser au niveau de mes yeux quand j'ai le ras de cils à faire ou alors à l'intérieur. Ça fait un pinceau de plus. Ensuite, on a dans ce kit-là le... je ne vous ai pas montré, il est tout petit avec la tranche très fine. Voilà. Ensuite, on a le contour brush où là j'ai fait une découverte. Je ne pensais pas du tout quand j'ai reçu le kit, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais en faire parce que celui-ci c'est pour le contouring. Et je me suis dit moi je n'en fais pas de contouring donc qu'est-ce que je vais en faire? Et ben en fait c'est mon pinceau blush. Et ouais, je m'en sers pour le blush. Vous allez le voir dans la vidéo que je vous ai mis. Pour moi,
je l'ai eu avant celui-ci. Lui, c'est le pinceau vraiment pour le blush et je le trouvais super, mais sa grosseur me gênait quand même un peu. Donc, bien sûr, c'est que mon avis. Après, chacun s'y retrouve dans ses pinceaux. Hein. Donc, vous voyez la différence. Et je préférais vraiment beaucoup plus appliquer mon blush avec celui-ci que lui. Bon, je continue toujours, hein, mais je prends en ce moment beaucoup plus celui-ci. Je sais pas, je trouve que. Enfin, il est bien. Voilà. Donc, ça, c'est le premier kit. Hein, donc, il s'appelle le Core Collection. Donc, je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos avec les codes couleurs. Comme ça, vous allez vous y retrouver pour les nouvelles. Ensuite, on a dans le teint. Bon, je vais poser ça un peu plus loin. Toujours dans le teint. On a le fameux Powder Brush. Voilà. C'est un gros pinceau pour appliquer tout ce qui est la poudre minérale ou autre. Hein. Voilà, c'est un énorme pinceau qui prend vraiment bien, vous voyez, toute la face. Vraiment, il est super. Il est d'une douceur vraiment géniale. Lui, ça fait un an que je l'ai. Il n'a pas bougé au lavage. Il ne bouge pas, il ne perd pas leur poil. Ça, faites-moi confiance. J'ai eu aucun pinceau qui n'a perdu un seul poil. Franchement, génial. Donc, celui-ci, c'est le Powder Brush hein, pour appliquer la poudre. Donc, vous avez aussi le Foundation Brush, donc aussi pour appliquer le fond de teint. Et on a l'Expert Brush. Celui-là, je ne l'ai pas. Je ne sais pas trop si je le commanderai. Il est un peu dans la même forme que le Buffing Brush. C'est aussi pour appliquer le fond de teint. Mais franchement, celui-ci me convient. Alors, je me suis dit. Après, c'est vraiment avoir toute la collection, histoire d'eux. Donc, non. J'ai préféré commander vraiment les pinceaux que j'avais envie d'utiliser. Comme je n'avais pas celui-là, donc je me suis dit, je vais commander ce pinceau-là pour le fond de teint. Mais en fait, celui-ci ne me convient pas, ne me plaît pas pour le teint. Hein. Donc, je préfère, comme je vous ai dit, en highlighter. Et puis, voilà. Donc, voilà en ce qui concerne le côté teint. Donc, c'est vraiment les pinceaux. Ah, bah, je perds mes mots. Bref, les pinceaux, oui, donc pour donc le teint, cette couleur-là. Excusez-moi, je suis un peu perturbée. Ensuite, on a un troisième kit. Donc, celui-là que je vous ai présenté pour les yeux, où dedans, vous avez cinq pinceaux. Toujours la même disposition, hein, dans un petit truc noir comme ça. Et on a cinq pinceaux dedans. Alors, on a tout d'abord, je vais vous montrer, je vais vous les sortir un par un, le Deluxe Quiz Brush. L'avantage de les pinceaux de chez Real Technique, c'est qu'on peut les utiliser vraiment mais comme on veut et on en fait ce qu'on veut. Après, ça devient vraiment personnel. Ils ont tous une base à quoi ils servent, mais on peut vraiment s'en servir nous comme on veut. Celui-ci, en fait, il sert, c'est plus un, on va dire, un estompeur. Hein. Donc, je m'en sers. Moi, j'en ai commandé deux des kits pour les yeux. Parce que avant d'avoir mon kit pour le teint, je m'en servais aussi pour appliquer l'anti-cerne. Vraiment génial. Et en estompeur pour le fard, il fait vraiment aussi son boulot. Il est vraiment super. Vraiment génial. Ensuite, donc pareil, c'est une petite boule. Ça fait une petite boule ronde. Hein. Voilà. Ensuite, on a le Base Shadow qui se présente comme ceci. Donc en fait, il part en pointe. Vous voyez? Il a une tranche qui est assez fine là. Lui, je l'applique pour. Je l'applique, pardon. Je m'en sers pour appliquer mon fard. Et ce que j'aime bien chez ce pinceau-là, vous verrez dans mon tuto, c'est qu'on peut aller dans le creux de la paupière vraiment bien. Il a la forme pour. Et comme il ne pique pas, ils sont très doux ces poils-là, ça ne fait pas mal du tout. Voilà. Donc celui-ci, par contre, je m'en sers exclusivement que pour appliquer mon fard. Hein. Ensuite, on a un tout petit pinceau, c'est l'Accent Brush, qui se présente comme ça. Il est tout petit. Il a une tranche très fine. Et voyez, moi, celui-ci, c'était pour le teint, hein, tout ce qui est imperfection. Voilà la différence entre les deux. Parce qu'en fait, je m'en sers vraiment exactement pareil. Je m'en sers à appliquer dans le coin interne ou en ras de cils. Voilà. La différence, c'est que. Celui-ci, il est vraiment beaucoup plus long hein, que lui. Ensuite, on a. Lui, ça n'a pas été mon copain. Le Pixel Point Eyeliner Brush. Lui, ça n'a pas été mon copain. Je vous explique pourquoi. Celui-ci,
comme il se présente, vous voyez, c'est un pinceau eyeliner. Et bien à la base, déjà le eyeliner et moi ça fait deux. Donc il me faisait des gros traits d'eyeliner, je n'arrivais pas à m'en servir parce que je n'avais pas l'habitude. Et c'est en regardant les vidéos justement de Samantha où j'ai pu bien le dompter celui-ci. Et en fait, j'en suis vraiment contente. Je m'en sers avec mon gel eyeliner de chez Essence qui est en pot. Et faut vraiment le dompter, savoir s'en servir, il est vraiment génial. Donc moi Kinky, je prends eyeliner, j'ai mis un petit peu de temps. Et le deuxième kit que j'ai acheté, l'autre je m'en sers, d'ailleurs je dois l'avoir là, pour les lèvres. Voilà. Je vous dis, il sert vraiment à plusieurs choses. Vraiment super. Alors pour les lèvres, je peux vous dire que il définit vraiment bien. Là, il est vraiment génial. Franchement super. Le eyeliner, maintenant, je peux vous dire ouais qu'il est bien. Bon, j'ai peiné, j'ai galéré, mais c'est vrai qu'il est bien. Ensuite, on a un autre pinceau dedans qui est en forme biseautée. Voilà. Vous voyez. La tranche est assez épaisse quand même. Et celui-ci, c'est le Brow Brush. Alors celui-ci, je me suis dit, pareil, Lyon, je l'ai essayé en eyeliner, je ne vous explique pas la cata, je me suis dit non, ça va pas, comment je vais m'en servir? Et pareil, dans une vidéo de Samantha, j'ai vu qu'elle faisait ses sourcils avec. Donc du coup, maintenant, je m'en sers pour mes sourcils. J'en ai un pour la matière crème et un autre pour la matière poudre. Et c'est une tuerie. Ça prend vraiment bien vos sourcils. Voyez, ça va vraiment nickel, impeccable dans l'alignement. Alors, dans la catégorie des yeux, donc ça c'est un kit que je viens de vous présenter, mais on a aussi un shading brush. C'est un petit pinceau. Allez, je vais prendre celui-ci, on va dire, mais bon, c'est pas ça, hein, ne vous y fiez pas. Vous voyez, le blanc là, il est coupé, donc il ferait ça en fait pour appliquer aussi les fards. Voilà. Pareil, je me suis dit quelle utilité parce que j'ai celui-là, donc cela, ce que je vous dis là, il se présente en individuel. On a le Lash Brow Gommer. Alors celui-ci, c'est, vous savez, quand on fait les cils pour les préparer, quand on fait les sourcils aussi. Moi, c'est vrai que mon crayon pour mes sourcils, il y a une petite brosse. Donc je me suis dit, pour moi, c'est pas utile non plus, donc je ne le prendrai pas. Et là, par contre, on a un... Et là, je pense que je vais me laisser tenter par celui-là. C'est un fine liner brush, c'est encore vraiment un plus fin pour appliquer le eyeliner. Donc je me suis dit, je vais peut-être sûrement me laisser tenter par celui-là. Bon, il n'y a rien d'urgent. Le troisième kit, alors là je ne l'ai pas parce que je trouvais que c'était, voilà, pareil, surplus. Il s'appelle le travail essentiel. Celui-là, ça serait plus au niveau voyage. Donc vous avez trois pinceaux dedans. De trois catégories, les trois, pour la base qui sont les cuivrés, pour les yeux qui sont les violets et pour la finition, donc le blush et tout ça, donc qui sont les oranges. Donc après, ça peut être aussi pour les personnes ben, voilà, qui partent en voyage vite fait, ils prennent ce kit-là. Moi franchement, j'en vois pas l'utilité pour moi pour le moment. Ensuite, dans la gamme finition, ils appellent ça comme ça. Donc la gamme finition, en fait, c'est tout ce qui va être au niveau du blush. Là, moi j'en ai commandé deux, je souhaitais pas en avoir plus. Voilà, hein. On a le blush brush qui est vraiment le pinceau pour le blush, où je vous ai dit que pour moi, dès que je l'ai eu, ça a été vraiment un coup de cœur parce que d'une douceur, enfin, ça irritait pas la peau. Ce qui me gênait, c'est que j'avais l'impression quand même, quand je l'appliquais avec ma poudre, que la poudre restait plus sur le pinceau, vous voyez, parce qu'il est vraiment coloré et pourtant je m'en suis servi deux fois cette semaine-là. Je lave tous mes pinceaux comme ça, teint et blush tous les dimanches. Par contre, les autres, c'est à chaque fois que je me maquille, je le fais dès que j'ai fini. Bref, du coup, je le trouvais beaucoup, beaucoup trop gros à appliquer au niveau de mon blush. Je préférais plus le contour brush qui sert à faire du contouring. Hein. Mais il en existe un autre comme ça. Donc là, pareil, je me suis dit, vu que celui-ci, je ne fais pas de contouring, ça ne me sert à rien d'acheter dans cette gamme-là le plus petit. Voilà. Mais sachez qu'il en existe un dans cette gamme-là, beaucoup plus petit. Parce que celui-ci, c'est vrai que beaucoup sur YouTube, il est appelé l'œuf. Hein, parce que c'est vrai qu'il est vraiment en forme d'œuf. Il reprend vraiment sa forme quand on l'a lavé. Bon. Ensuite, toujours dans la même gamme, on a le Stipping Brush. Alors celui-ci,
Je l'ai vu bien sûr dans les vidéos de Samantha. Elle s'en servait pour le teint, donc c'est pour ça, comme je n'avais pas encore acheté, j'ai voulu essayer pour le teint. Alors moi par contre, je n'ai pas du tout apprécié car il me laissait, quand j'appliquais mon fond de teint, des marques. Ça n'a rien à voir avec les autres, hein, ce pinceau-là. Il va ressembler au Sigma, vous savez, le côté, la forme. Bon, il est beaucoup plus court, mais voyez, on voit les trous à l'intérieur. Et quand on mettait le fond de teint, je trouvais qu'il laissait les traces. Donc du coup, j'ai arrêté. C'est vrai que j'étais contente dans l'application. Bon, il était sympa, mais bon, voilà, pas plus. Et je me suis dit, bah, celui-ci, en fait, il va me servir dans mes fards crème. Et dans mes fards crème, eh ben, il est vraiment génial. Au niveau des fards crème, il est super. En plus, il a vraiment la dimension pour entrer dans un pot fard crème. Et on tapote comme ça. Et ensuite, on fait les petits ronds. Vraiment génial. Donc celui-là, je vous le conseille aussi si vous avez des fards crème. Alors, on va avoir un autre qui s'appelle Setting. Donc c'est peut-être bien le plus petit que je vous ai parlé pour appliquer blush. Et on a leur fameux Kabuki. J'ai déjà des Kabuki, donc j'allais pas m'aventurer à en racheter d'autres. Voilà. Alors, je commande, là c'est fini, hein, donc au niveau des pinceaux. Je vais vous en montrer trois autres, mais ça n'a rien à voir. Là, je vais vous dire par contre où je les commande. Je les commande sur le site iHerb. Donc c'est Miss Blackline, hein, qui est l'impératrice du site iHerb. Bah, elle nous fait découvrir plein de choses, donc je les prends sur le site. Sur eBay, vous allez les trouver vraiment, mais très cher. Hein, donc moi, j'ai regardé, donc c'est pour vous dire, là, ils abusent grave sur eBay. Alors sur le site iHerb, un kit est à 17,99 €. N'importe quel kit, hein, 17,99 €. Ensuite, par exemple, ce pinceau-là, pas euro, dollar, pardon, donc ça fait moins cher, hein, bien sûr, en euros. Là, ça fait 9,99 $ ce pinceau-là. Alors, en gros, on va dire 7 euros. Hein. En gros, hein, voilà, 7 euros. Le blush brush, donc c'est ce gros pinceau-là, ils se vendent tout seuls. Hein, ces pinceaux-là se vendent tout seuls. 8,99 $. Et le sitting, je ne l'ai pas. Non. 7,99 € et Kabuki 9,99 €. Donc voilà. Alors, pour commander sur le site iHerb, il y a un poids à ne pas dépasser. Ça, c'est Miss Blackline qui me l'a fait découvrir parce que j'ai fait une commande là et je me dis mince, ça passe pas, j'arrive pas. Et il ne faut pas aller au-dessus de 1,80 kg, il me semble. Il me semble, mais je vais rechercher ça, je vous le mettrai en barre d'infos. Enfin voilà. Et les frais de port normalement étaient gratuits. Et je sais que Miss Blackline sur sa page Facebook, elle avait mis comme quoi ça viendrait payant, mais bon, c'est pas des frais de port qui sont élevés, sachant que c'est en dollars. Donc voilà. Donc j'ai un code. Donc chaque personne, la première commande, quand vous faites une commande de moins de 40 $, vous avez une réduction de 5 $. Et si vous faites une commande d'au-dessus de 40 $, vous avez une commande de moins 10 $. Franchement, 40 $, ça vous fait une commande, allez, on va dire en gros 33 €, 35 €. Voilà. Donc vous pouvez bénéficier. Je vous mettrai bien sûr mon code en barre d'infos. Sachant que vous, après, quand vous allez faire votre première commande, vous allez avoir un code que vous pourrez redonner à vos potes, à vos copines ou n'importe qui, et ce qui vous permet d'accumuler un peu plus des petits bénéfices, des petits machins. Je m'en suis jamais penchée dessus parce que franchement c'est quelque chose où ça me passe au-dessus moi. Donc voilà, c'est très simple pour commander. Donc vous créez votre compte, pour celles qui n'ont pas Google Chrome, vous créez votre compte, hein, donc bah, mettez-vous traducteur Verso à côté. Et ensuite, vous mettez dans votre panier, il y a PayPal ou il y a par carte bancaire. Et vous pouvez donc, à un moment donné, vous allez avoir un petit encadré où il faut rentrer le code. Donc là, vous pourrez rentrer le code, mon code, pour bénéficier donc d'une réduction. Et voilà. Et par contre, pour celles qui se posent la question, qui ont entendu parler des frais de douane, franchement, moi, je n'ai pas eu encore de frais de douane parce que ça dépend du prix, du poids, enfin tout ça. Hein. Donc, par contre, ça peut mettre un peu de temps à l'arrivée, hein, parce que ça vient pas d'ici. Moi, j'ai jamais dépassé les 10 jours, franchement, jamais. J'ai toujours été vraiment livrée quand même assez vite et sérieusement. J'ai franchement jamais eu de soucis. J'ai commandé autre que des pinceaux sur ce site-là parce qu'il est vraiment génial. Et la Chris nous a vraiment fait une belle découverte sur ce site-là.
Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les nouvelles hein, dans leur attente, hein, donc savoir de comment j'utilisais mes pinceaux. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!